Maurice G. Dantec, grenoblois de 40 ans, passé par la pub et par le rock, vit désormais au Québec où il s'adonne à la littérature. Il aime les gros livres, 500 pages pas moins, d'intrigues policières fondées sur une riche documentation scientifique. Dantec publie ces jours-ci dans la collection La Noire de Gallimard un nouveau roman intitulé Babylon Babies, une sorte de polar planétaire, pas toujours clair, mais à certains moments prodigieusement bien foutu et dont le personnage principal, Torop, est un mercenaire. Première page, afin de situer d'emblée l'intrigue. Torop contemple le soleil couchant sur le désert de Taklamakan, là-bas, au fin fond du Xinjiang, en pays ouïghour du côté de chez les Mongols ou les Tatars. À ses pieds, un jeune soldat blessé agonise alors d'une rafale de Sachiskov, une carabine d'assaut soviétique apparemment sans égale. Torop lui administre charitablement le coup de grâce. Nous voici plongés dans un univers qui rappelle à la fois James Bond et Nikita. Torop se retrouve ensuite à Sarajevo, au cœur du conflit bosniaque, qui n'a semble-t-il aucun secret pour Dantec, incollable sur les armes à feu, sur l'informatique et sur les enjeux militaires et stratégiques à l'échelle mondiale. On trouvera même ici un biomane en parfait état de marche, un ouvrage à savourer en connaisseur.